Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, pourquoi est-ce que nous avons souhaité mettre en place avec l'Institut Gepkis, la communauté médicale et scientifique qu'il constitue, en partenariat avec le cabinet Stan, pourquoi vous souhaitez proposer cette série de web émissions? La réponse, elle se trouve bien évidemment dans le contexte de la crise sanitaire majeure que nous traversons actuellement, une crise tout à fait exceptionnelle, et dans la médiatisation à outrance, sans doute, qui l'accompagne, qui font qu'aujourd'hui, dans l'esprit de chacun, les problématiques médicales et scientifiques sont au premier plan. Et c'est la raison pour laquelle nous avons souhaité donner la parole à la fois aux scientifiques, aux médecins, à tous les acteurs de terrain, pour que chacun, individu comme entreprise d'ailleurs, puisse, avec discernement, je dirais, loin de tout débat véhément et polémique, tirer les enseignements de cette crise et préparer l'avenir. L'objectif de ces débats, donc, puisqu'il nous espérons qu'il y en aura plusieurs, est d'être à la fois un lieu d'information et d'échange entre professionnels, professionnels de santé et le grand public pour aider le décryptage des grands enjeux de santé et de recherche d'aujourd'hui et de demain. Alors, bien évidemment, il s'agit en premier lieu d'aborder les questions en lien avec la crise du Covid-19, mais pas que. Et dès lors que cette expérience est une mise à l'épreuve tout à fait inédite de notre système de santé et de recherche, nous sommes obligés de repenser nos stratégies scientifiques et médicales pour le développement des traitements des maladies peu ou mal connues. Et de très nombreuses questions émergent déjà et émergeront à l'issue de cette crise sur les modèles de santé et de recherche que nous souhaitons pour demain, sur la meilleure façon pour anticiper et soutenir l'innovation de ces secteurs, sur aussi l'impact que cette pandémie aura sur la façon dont les Français perçoivent la science, la médecine et les techniques. Et puis, pour ce qui nous concerne plus directement à Gepkis, sur les enseignements que nous pouvons tirer de cette crise dans le champ des maladies rares. Alors, avant de vous présenter nos invités, je vous rappelle que cette émission sera enregistrée, et cela car nous souhaitons qu'elle puisse être accessible en replay aux équipes de soins et de recherche de l'Institut et également à ceux qui ont été invités à s'y joindre mais n'ont pas pu nous rejoindre ce soir. Alors, je voudrais tout d'abord vous présenter les deux personnes qui vont débattre au cours de la première partie de cette émission. Et notre invité d'honneur ce soir et grand témoin est le professeur Dominique Maraninki. Le professeur Maraninki est professeur émérite de cancérologie à la faculté de médecine de Marseille. C'est un des anciens directeurs de l'Institut Paoli Calmette, où il a entre autres créé au début des années 80 une unité pilote de greffe de moelle, puis à la fin de ces années 80, une nouvelle unité pilote d'immunothérapie des cancers. Il a ensuite été successivement président du conseil d'administration de l'Institut national du cancer, puis le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament. Aujourd'hui, le professeur Maraninki est de nouveau à l'IPC, où il développe de nombreux projets, parmi lesquels des sujets liés à la problématique de la démocratie sanitaire. Le deuxième intervenant est le professeur Nicolas Lévy, qui est professeur de génétique médicale à la faculté de médecine de Marseille. Il est également chef du service de génétique médicale de l'hôpital de la Timone et le directeur d'unité de recherche Université INSERM Marseille Medical Genetics. Il a été le fondateur et le premier directeur de la Fondation pour les maladies rares, et enfin il est le fondateur et le porteur du projet d'Institut Gepkis pour l'étude et le traitement des maladies génétiques rares. Pour ma part, je suis Laurence Collo, je suis directrice de recherche au CNRS, spécialiste en génétique humaine, et j'ai dirigé pendant 20 ans une équipe sur les maladies du neurodéveloppement à l'IHU Imagine à Paris. J'ai rejoint le laboratoire de Nicolas Lévy à Marseille il y a 2 ans, et outre les fonctions de recherche, j'y exerce également des fonctions liées à la mise en place des coopérations de l'Institut Gepkis avec les pays méditerranéens, et je suis également déléguée adjointe à la recherche et à la technologie pour la région Corse. Et c'est donc à moi que revient l'honneur et le plaisir de modérer cette émission, et je vous souhaite donc à tous une excellente session. Alors, comme vous l'avez vu sur l'invitation et comme vous le voyez sur le fond de l'écran, le thème que nous avons choisi pour débattre ce soir est « Quelle médecine dans l'urgence à l'épreuve du Covid-19 ?» Et nous souhaitons aborder 3 aspects, alors qui ne seront pas abordés de façon séquentielle, puisque ce sont 3 aspects extrêmement liés les uns aux autres, qui sont d'une part les enjeux des méthodes et des essais cliniques pendant et en dehors de la crise du Covid-19. Là encore, nous insistons sur le fait que le propos n'est pas d'arbitrer sur les controverses que vous avez pu lire dans les différentes sources, mais de réfléchir ensemble aux questions qui surviennent dans la mise en place d'essais dans le cas d'une urgence sanitaire.
Le deuxième volet portera sur la prise en charge pour les autres maladies pendant la crise sanitaire, car malheureusement, ces maladies ne s'arrêtent pas. Qu'en est-il pour la prise en charge des maladies chroniques, les programmes de vaccination, des pathologies qui réclament une réponse médicale rapide hors Covid, infarctus, AVC, pour ne citer que quelques exemples. Et puis, en dernier point, nous aborderons la problématique de la médecine en situation d'urgence. Quel est le rôle du médecin en situation de crise sanitaire? Comment concilier éthique, médicale et urgence, etc. Donc, ces thèmes seront d'abord débattus par nos invités pendant 25 à 30 minutes, puis ce sera le temps des échanges et de vos questions. Et pour ceux qui souhaiteraient plus de précision, nous aurons aussi la possibilité, à l'issue de cette présentation, de faire parvenir un certain nombre d'éléments bibliographiques qui vous permettront d'approfondir certains de ces aspects. Voilà, et sans tarder, je vais tout de suite donner la parole au professeur Maraninki, que je remercie très, très chaleureusement. C'est moi qui vous remercie. Donc, je prends la parole et je prends la main sur les diapositives pour évoquer avec vous essentiellement, pour commencer, les enjeux scientifiques, médicaux et humains qu'il y a autour des essais cliniques et des particularités qui sont liées à ces situations de crise et aux innovations de rupture qu'on vient de vous présenter. Je vous remercie d'ailleurs de m'avoir si bien présenté. Je voudrais rajouter, comme c'est prévu, que je n'ai, par la réglementation, que je n'ai aucun lien d'intérêt personnel ou familial avec des entreprises de produits de santé. Mais ce n'est peut-être pas le plus important, mais c'est important quand même dans cette situation de risque et de tension de ne pas oublier, de se rappeler qu'est-ce qui nous pousse et quel est notre niveau d'indépendance. Nous voyons sur ce petit schéma qui est un cartoon que la finalité de la recherche médicale est assez simple, hein, c'est de transférer de la recherche fondamentale à la prise en charge des patients. Et je devrais mettre cette flèche dans les deux sens puisqu'on apprend de la prise en charge des patients beaucoup de connaissances qui peuvent certes nourrir la recherche fondamentale. Mais concrètement, ce qui nous lie, ce qui nous motive, c'est la compréhension des maladies. Et l'enjeu contemporain auquel on doit l'accélération quand même de découverte, c'est la possibilité de pouvoir accélérer ce transfert entre la recherche fondamentale et la pratique médicale. Oups, là, je suis un peu coincé dans mes diapositives, je vais aller à la suivante. Voilà, donc inutile, petit rappel quand même d'Auguste Comte, pourquoi on fait la recherche, on crée du savoir pour prévoir, afin de pouvoir. Et je trouve que ces quelques mots s'appliquent bien à la situation actuelle et on voit que les chercheurs et les chercheurs en médecine sont dans la clé de cette problématique. Qu'est-ce qu'on attend des médecins? C'est de prendre des décisions et d'aider à la décision individuelle ou collective. Et la décision médicale, c'est un équilibre. C'est plutôt plusieurs équilibres entre diverses valeurs ou diverses acquisitions, l'expérience clinique, les données de la recherche et les préférences du patient qu'il ne faut pas oublier. Et donc la décision idéale et la décision souhaitée d'ailleurs, c'est une décision partagée entre le patient et un médecin qui est nourri de données de recherche, mais aussi d'humanisme lié à son expérience clinique. Vaste programme. Et ce qui est vrai à l'échelle individuelle est vrai aussi à l'échelle collective. C'est pour ça que le principe de ces décisions sont des décisions en situation d'incertitude. Et on voit que le travail de pas à pas dans cette incertitude avec des enjeux vitaux est un travail particulièrement délicat. On doit parler de recherche clinique ou de pratiques médicales innovantes. J'ai repris quelques phrases de la déclaration d'Helsinki qui définit la recherche médicale associée avec des soins médicaux. Finalement, lors d'un traitement d'un malade, le médecin doit être libre de recourir à une méthode diagnostique ou thérapeutique si lui ou elle juge que celle-ci offre un bénéfice pour rétablir la santé ou soulager les souffrances du malade. Je rappelle que ça fait partie du devoir des médecins qui sont forcément un peu marginaux puisqu'ils sont indépendants. Et c'est une dépendance qui leur est donnée d'ailleurs par le code de déontologie, et qu'ils ont un seul devoir extrêmement finaliste et finalisé. On rappelle aussi dans la déclaration d'Helsinki que toute expérimentation humaine doit obéir à des règles éthiques. Je voudrais rappeler l'autonomie, c'est-à-dire que la demande du patient, son écoute et aussi un
aussi cruciale, de même bien sûr que la bienfaisance, qui est le seul objectif d'une recherche médicale. Non-malfaisance, c'est le primum non nocere fondateur. Et la justice, c'est-à-dire qu'on travaille à l'échelle individuelle, mais avec une équité, une égalité que l'on doit à l'ensemble des patients. La suivante, si j'arrive à la passer. Oups. Voilà, alors, une des manières de faire de la recherche médicale. Toute la recherche médicale n'est pas là-dedans, et donc c'est important aussi de se le rappeler, notamment dans ces moments de controverse, c'est de faire des essais cliniques. C'est quoi des essais cliniques? C'est expérimenter une nouvelle méthode en pesant ses avantages potentiels par rapport aux meilleures méthodes diagnostiques en usage ou thérapeutiques en usage. Donc on essaye quelque chose de nouveau. Et la question, les questions sont nombreuses, on en a évoqué quelques-unes, c'est par rapport à quoi? Pourquoi cette nouvelle méthode serait mieux? Quel est le comparateur? Alors, il peut y en avoir aucun, c'est-à-dire on est devant un problème absolument non résolu et on se lance avec une hypothèse de bienveillance et de bienfaisance. Il peut y avoir un deuxième comparateur. Et dans cette approche-là, on appelle de temps en temps des essais de phase 1, c'est-à-dire qu'on cherche toujours le bénéfice pour le patient et en même temps, on essaie d'optimiser le traitement, on tâtonne pour trouver le meilleur traitement, la meilleure dose, la moins toxique, par exemple, quand c'est un médicament. Deuxième comparateur, qui est assez naturel, c'est l'histoire naturelle de la maladie. Mais n'oublions pas qu'il y a des tas de maladies qu'on ne connaît pas bien. On est en train d'en vivre un exemple. Et donc, c'est des essais qu'on appelle de phase 2, c'est-à-dire, j'ai une méthode, je vais modifier l'histoire de cette maladie que je connais ou que je présume. Enfin, il y a un traitement, une forme d'essai clinique beaucoup plus traditionnelle ou sécurisante qui s'appelle l'essai de phase 3, c'est-à-dire, on tire au sort deux traitements par rapport à un traitement de référence. Faut-il qu'il existe le traitement de référence, ou bien par rapport à un placebo, c'est-à-dire par rapport à rien du tout, en simple ou doux ou aveugle, ça signifie quand même que l'équipe médicale risquerait d'être un peu orientée par sa foi dans le nouveau traitement. Vous avez compris que ce qu'on cherche, c'est l'objectivité. Voilà, la diapositive suivante, si j'arrive à la passer. Faire des essais cliniques, faire de la recherche médicale aussi, a de nombreuses contraintes. On l'a dit, il faut le rappeler, c'est avant tout des contraintes éthiques. L'expérimentation sur l'être humain est une transgression par rapport aux lois fondamentales et notamment chez nous le Code civil, dont l'article 2 affirme l'intégrité du corps humain. Et donc si on expérimente, ça signifie qu'on transgresse et il faut donc le faire dans des conditions qui protègent la société. Donc sur le plan réglementaire, en France, il faut des autorisations pour faire un essai clinique. Autorisation du comité de protection des personnes, de l'agence de sécurité du médicament et des produits de santé. Et ce n'est que dans le cadre de cette autorisation que l'expérimentation affichée peut se dérouler. Alors, avec l'usage, heureusement, les essais cliniques se développent en utilisant ce qu'on appelle des bonnes pratiques. En deux mots, c'est simplement un essai clinique, ce n'est pas quelqu'un tout seul dans son cabinet. Il y a un comité indépendant qui surveille l'évolution des données, il est indépendant pour pas qu'il soit sous influence, qui peut déterminer les règles d'arrêt ou de poursuite de l'essai. Et évidemment, comme on est en matière humaine et qu'en matière humaine, la diversité des situations est la plus fréquente, on se sert de plans d'analyse statistique pour mesurer les risques d'erreur. C'est ce qu'on appelle la p-value, c'est-à-dire la probabilité que ce qu'on a découvert soit lié au hasard, ou bien que ce soit une véritable vérité scientifique ou médicale. On sait tous que la notion de vérité mérite d'être remise en question, mais c'est un plan expérimental. Alors, quelle variété d'essais cliniques? Tout dépend de ce qu'on teste. Une innovation incrémentale, c'est-à-dire j'ai un traitement de l'hypertension, je donne un nouveau traitement de l'hypertension, en disant qu'il va être mieux toléré, il va aussi faire baisser la tension, sans plus, c'est pas mal, hein? Ou une innovation de rupture, je traite un cancer qui était incurable, ou une maladie génétique qui était incurable. Et donc, j'arrive avec un principe actif nouveau et je veux traiter cette maladie qui était jusque-là incurable. Donc, toute démarche d'essai clinique est en principe une recherche de progrès qui utilise une méthode qui est
au moins contrôlable, pas forcément tiré au sort, applicable et reproductible, puisque le but, c'est de créer une pratique, finalement, qui soit reproductible à l'échelle de l'ensemble de la société. Alors, il ne faut pas oublier qu'il y a des essais thérapeutiques, mais aussi des essais de prévention. Et vous voyez que quand on fait de la prévention, on ne fait pas toujours des essais, en réalité. Il n'y a qu'à voir ce qu'on vit à l'heure actuelle. On confine, on déconfine à moitié, etc. On marche par tâtonnement. Et dans la recherche médicale, c'est un peu pareil. On tâtonne pour essayer de trouver quelle est la formule qui est la meilleure. De même sur les essais de diagnostic, et tout dépend effectivement si on cherche à affiner un diagnostic plus précis, et on a des experts de diagnostic précision, notamment avec l'outil génétique qui a transformé la définition des maladies. Là, avec le Covid, on a un agent infectieux. Tout dépend dans quelle phase de la maladie on se situe. Est-ce qu'on est au tout début ou bien en situation de risque mortel immédiat? Pour quel bénéfice? Ou bien faire un essai clinique purement pour commercialiser un médicament? Et là, simplement, on s'adapte aux règles que donnent les agences de régulation de médicaments. Rappelons-nous que quand c'est pour la commercialisation, on veut protéger aussi l'intérêt du découvreur. C'est pour faire du bien, évidemment, aux malades, mais... Et donc, protéger l'intérêt du découvreur en respectant un brevet d'indication et un brevet de fabrication. Et le grand enjeu pour tous ces essais, c'est quels sont les critères de jugement. Et évidemment, et heureusement, moi je suis cancérologue, on prend des critères de jugement qui sont intermédiaires. On ne va pas attendre la survie de la population. Vous avez des femmes qui ont des cancers du sein, il y en a 95% qui vont survivre à 5 ans et c'est très heureux. On ne va pas, lorsqu'on fait un progrès, essayer de dire est-ce qu'on va améliorer la survie à long terme. Sans ça, on aura la réponse à la question dans 10 ans, puisqu'il faudra 5 ans pour recruter et 5 ans pour observer. Et donc, on cherche un critère de jugement intermédiaire. Et la question, c'est est-ce qu'il est pertinent? Alors là, on va parler un peu des maladies infectieuses et on va parler aussi de situations vécues pour dire qu'on peut faire parfois des progrès cruciaux sans avoir tiré au sort. C'est le cas couramment des progrès de la chirurgie et de l'imagerie, c'est-à-dire j'ai une nouvelle technique chirurgicale, je vérifie qu'elle s'améliore par rapport à celle du passé, mais je ne vais pas tirer au sort entre avant et après. Donc, ce n'est pas randomisé, c'est pareil pour l'imagerie, je sais faire une IRM du cerveau, je ne vais pas repartir dans les vieilles méthodes de diagnostic par encéphalographie gazeuse, par exemple, pour essayer de la tester. Donc, des fois, les progrès s'imposent par le pragmatisme de la découverte. Lorsqu'on part de zéro, ce qui était le cas des leucémies d'enfants dans les années 60-70, on peut faire des énormes progrès sans forcément tirer au sort. Ça a été le cas de Don Pinkel à Memphis, dans le Tennessee, qui a guéri les leucémies d'enfants à travers 4 études qu'on pourrait appeler des études médiocre sur le plan méthodologique d'optimisation, c'est-à-dire il traitait des séries d'une dizaine ou d'une vingtaine d'enfants, et si ça marchait, il rajoutait quelque chose pour améliorer le traitement, jusqu'à trouver un standard, et après on peut tirer au sort pour optimiser le standard. Mais quand vous avez 0 ou 5%, la vraie question c'est de sauver des vies d'enfants. Il en est de même pour la greffe de moelle dans les leucémies. Mon maître aux États-Unis, c'était Don Thomas, qui a eu le prix Nobel de médecine. Certains lui ont reproché en disant que ça n'a jamais été tiré au sort pour savoir si votre taux de guérison était vraiment lié au hasard ou à la greffe. Et ni les malades, ni lui-même l'ont accepté. C'est ça le fait des très grandes découvertes. La suivante, s'il vous plaît. Voilà, alors, dans les maladies infectieuses, rappelons-nous aussi que quand on connaît bien les maladies, quand on les connaît dans l'histoire, des fois, on n'a pas besoin de tirer au sort. Pour les médecins du XXe siècle qui, tout d'un coup, ont connu la pénicilline dans le traitement de la syphilis, il n'y a pas eu d'études randomisées de tirer au sort. Ça marchait, c'est une évidence. De même pour les antituberculeux ou dans le traitement de la typhoïde. Quand on a fait des études randomisées dans ces maladies, c'est très tard. Des années après, quand ce n'était plus un enjeu vital, et on se demandait est-ce que ça vaut le coup de prendre 6 mois de traitement, ou 4, ou 3. Donc vous voyez que là, le contrôle, c'est plus dans l'optimisation plutôt que sur une question de vie ou de mort. L'histoire de VIH et du sida nous a
à nouveau tout appris dans les essais cliniques et beaucoup de choses dans la recherche médicale, et notamment par la transparence, l'urgence de vie, soutenue par des associations de malades et toute la société, qui faisait face à la science et à la médecine et qui exigeait des progrès en temps réel et des découvertes en temps réel. C'est un peu ce qu'on est en train de vivre, avec une intensité différente. Mais rappelons-nous que dans le traitement du VIH, le premier traitement qui s'appelait l'AZT faisait l'objet de désirs extraordinaires. Il y a eu un très beau livre qui s'appelle le protocole compassionnel, les gens qui essayaient d'avoir ce traitement. Et on a fini aux États-Unis par faire une étude randomisée qui n'a jamais bien marché, puisque les malades étaient tellement solidaires et tellement désireux d'avoir ce traitement qu'ils mélangeaient leurs gélules de placebo et de principe actif pour être sûr d'avoir au moins la moitié du traitement. Et la bonne nouvelle, c'est que ça a marché. Et du coup, pour les autres traitements qui ont été encore plus curateurs, comme la trithérapie, personne n'a tiré au sort. On s'est servi de critères intermédiaires de jugement et pas la survie. Hein. On a vu la charge virale diminuer. Et sur la charge virale diminuée, on a enregistré la trithérapie avec moins de 30 patients. Et vous savez que ça a changé complètement la survie à terme, mais on n'a pas attendu de tirer au sort des groupes qui n'avaient pas ce traitement. Il a été de même pour le traitement de l'Ebola, là malheureusement sans succès, mais on a une maladie qui est mortelle, on essaie, on voit et puis on passe à une... C'est ce qui est en train de se passer avec le Covid-19, avec les tensions que nous connaissons et que nous entendons. Donc la recherche médicale en situation d'urgence est très particulière, c'est-à-dire que si on a une découverte, on s'en sert. Et je voudrais finir sur cette citation. C'est une photo qui est prise à Kos, donc dans la ville d'Hippocrate. Et c'est à peu près la vue qu'il avait de son temple et de là où il a réinventé la médecine. Et la phrase n'est pas de lui, mais elle est pas mal. C'est la meilleure façon de prédire l'avenir, c'est encore de le construire. Et c'est ce qu'on fait quand on fait de la recherche médicale. Voilà, je vous remercie. J'ai fini pour mes diapositives. On peut dialoguer un peu si vous voulez maintenant. Merci beaucoup, Dominique. Si je peux me permettre de rebondir sur toi, Dominique, c'est toujours... donc c'est Nicolas Lévy, pardon, qui parle. C'est toujours extrêmement difficile de parler après Dominique Maraninki. Vous avez bien compris que ce n'est pas du tout un hasard si j'ai demandé à Dominique d'être notre premier grand témoin sur cette première web émission de Gyptis. Donc Dominique, en plus d'être un grand cancérologue, d'avoir été un grand directeur d'agence, parce qu'il a quand même modifié profondément la manière dont on dirigeait une agence nationale de sécurité du médicament. Au-delà de ses qualités, de ses talents de médecin et de chercheur, Dominique est en plus un grand humaniste et un sage, et c'est quelqu'un pour qui j'ai un immense respect, et c'est pour ça que, vous savez, dans la vie d'un médecin et d'un scientifique, il y a quelques personnes qui vous inspirent, et c'est indispensable d'en avoir, des personnes qui vous inspirent, et Dominique fait partie de ces gens-là. Je voudrais rebondir sur des choses que tu as dites, Dominique, lorsque tu as parlé effectivement de la manière de pratiquer des essais thérapeutiques. Nous, on connaît parfaitement ça dans le domaine des maladies rares. Dans le domaine des maladies rares, et je fais le lien un petit peu avec Gyptis en disant ça, c'est-à-dire que lorsque j'ai vu sortir toutes les polémiques qui reprochaient à certains, et mon but n'est pas de défendre ou d'incriminer qui que ce soit, mais lorsqu'on a vu sortir des polémiques qui reprochait à certains un manque de méthodologie, une absence de bras témoins, de bras contrôle. Moi, ce que je peux dire, c'est que dans les maladies rares, on a mené des essais thérapeutiques en l'absence totale de traitement de référence, puisque ce sont des maladies qui, pour la plupart, ne sont pas connues et pour la très grande majorité, n'ont pas de traitement de référence. Et donc, pour des maladies qui tuent et qui tuent relativement vite, on a évidemment mené des essais thérapeutiques sans bras témoins. Ah, j'ai perdu le son. Oui, nous n'entendons plus Nicolas. Nicolas. Gérance. Oui, on ne l'entend plus. Hein. Il y a un problème. Attendez, je vais essayer de le. Moi, je suis là, mais. Voilà. Y es-tu revenu? Voilà. Donc, tu as perdu. Non, je vais aller vite. On se disait qu'effectivement, il ne serait pas éthique de donner
de ne pas donner de traitement, de donner un placebo ou d'être uniquement symptomatique, alors qu'on sait que le traitement purement symptomatique induit, quoi qu'il arrive, la mort dans le même temps que, qu'une absence de traitement. Et donc, il ne serait pas éthique de ne pas donner de molécules et on fait la preuve même minime d'une efficacité pour une maladie particulièrement sévère et qui tue très rapidement. Et de la même manière, il y a un sujet sur lequel je voulais éventuellement rebondir, qui est le sujet qu'on connaît bien aussi dans les maladies rares et qui est appliqué aujourd'hui dans certaines stratégies dans le Covid-19, qui est le sujet du repositionnement de molécules. Tu as parlé effectivement de l'innovation dans le développement thérapeutique, et l'innovation, elle est essentielle, c'est ce qui va nous permettre évidemment d'améliorer nos connaissances et d'améliorer nos pratiques et d'améliorer l'efficacité thérapeutique et le rapport entre le bénéfice et le risque, entre le bénéfice de la molécule en termes d'efficacité et son risque en termes de nuisibilité. Et là aussi, on connaît aujourd'hui le repositionnement thérapeutique qui fait qu'on est capable de découvrir de nouvelles fonctionnalités ou de nouvelles propriétés à des molécules qui sont parfois très anciennes, mais qui sont hors brevet, hors innovation, qui sont particulièrement peu chères, mais qui sont particulièrement efficaces, surtout dans un schéma d'urgence où on a besoin de traiter nos malades. Et donc, tous ces sujets-là sont des sujets qui, finalement, nous ont fait penser que dans la crise sanitaire qu'on vit aujourd'hui, tous ces débats-là, ils sont nombreux, sont absolument essentiels et on les voit émerger parfois à grand renfort de publications scientifiques, mais aussi à grand renfort de publications non scientifiques. Et chacun, finalement, à son avis, et aujourd'hui on a l'impression que dans la population générale chacun est l'arbitre de ce qui se passe dans un milieu scientifique et dans un milieu médical. Mais ce que je trouvais important, c'était de dire que ces sujets-là, on en a l'habitude et que ces controverses-là, on sait les mener, on sait les aborder, et ce sont des sujets de société également. C'est la loi de la démocratie sanitaire. Bien heureusement qu'on peut en débattre, d'accord, que les patients et on dit c'est ridicule, chacun prétend être un sachant, c'est pas le problème, c'est que c'est des problèmes qui engagent notre vie, notre santé, celle de nos proches. On a envie de comprendre et on a envie de comprendre comment agir et comment agissent ceux qui sont à la manœuvre. Il y a qu'à voir d'ailleurs, et c'est très bien, l'énorme respect qu'il y a pour les soignants, parce que c'est très concret ce qu'ils font en ce moment, hein, c'est-à-dire ils ventilent des gens, ils leur donnent de l'oxygène, et les controverses sont plutôt sur les méthodologies de recherche, ce qui est quand même un peu, un peu académique encore. Oui, il y a aussi, j'ai l'impression, une sorte de dichotomie ou d'opposition aujourd'hui, enfin dans cette crise hein, en particulier, entre les médecins qui soignent dans l'urgence et le temps court nécessaire et indispensable de la médecine à l'épreuve des patients, hein, des patients qui nous sont confiés, et le temps évidemment forcément plus long de la science, entre guillemets, bien menée, avec des études comparatives, avec des méthodologies parfaites et une statistique très puissante. Et ça me fait penser que la médecine reste quand même dans le voir, dans le écouter, dans le toucher, et que malgré tout, toutes les technologies, quelles qu'elles soient, hein, et évidemment, je ne veux pas faire offense, certainement pas aux tenants de la haute technologie et de l'intelligence artificielle et des algorithmes, parce qu'on en a besoin aussi, mais je crois qu'il ne faut pas confondre les deux, et je pense que c'est à nous d'accompagner ces évolutions technologiques et pas à elles de nous driver en tant que médecin. C'est capital. Alors, est-ce que justement, je rebondis est-ce sur... Est-ce que peut-être qu'on peut prendre des questions Nicolas, est-ce que je pourrais rebondir sur ce que vous venez de dire avec M. Maranaki sur justement comment vous voyez le rôle du médecin en général dans ces périodes de crise sanitaire? Est-ce que selon vous, il évolue? Je me lance un petit peu. Hein. Le médecin est... On comprend tout de suite à quoi il sert, d'accord? Il est là pour faire un diagnostic, il est là pour annoncer le diagnostic, qui est souvent quand même l'annonce d'une assez mauvaise nouvelle, et prendre des mesures suite à cette annonce de diagnostic. Tout ça ne se fait pas dans un monde virtuel, c'est dans un monde réel. Et d'ailleurs, on voit à l'heure actuelle la frustration de pas mal de médecins généralistes et de pas mal de familles à qui on a dit si vous toussez vraiment beaucoup, appelez le 15 et allez aux urgences. Donc c'est sûr que
on n'est pas dans une situation de médecine très, très raisonnable. Et donc, le rôle du médecin, c'est quand même d'écouter les personnes, de faire un diagnostic et de les orienter vers le, au mieux, vers les urgences, vers l'isolement absolu. Rappelons-nous que nos prédécesseurs, quand même, quand il y avait une tuberculose contagieuse dans une famille, une des premières choses à faire, c'était d'isoler la personne pour pas qu'il y ait une catastrophe sanitaire dans tout l'environnement. Et donc, ça peut être une prescription médicale et pas qu'une prescription de société. Et de même, essayer de participer au meilleur traitement possible en s'entourant, évidemment, des recommandations de ses correspondants. Et il faut reconnaître qu'à l'heure actuelle, les recommandations sont un peu confuses, mais c'est un peu normal parce qu'on ne sait pas encore grand-chose sur cette maladie. Donc, le rôle du médecin, il est d'être présent au chevet des malades et selon son statut, s'il peut faire de la recherche, il faut absolument qu'il en fasse. Sur cette épidémie, juste une dernière réaction pour les médecins et pour les chercheurs. On est un pays qui regorge de ressources et de talents, de ressources techniques et de talents, et on n'a pas encore bien mobilisé l'ensemble de notre tissu de recherche pour essayer de répondre à ces questions, parfois futiles, mais très importantes sur le plan médical. Est-ce que j'ai ou est-ce que je n'ai pas cette maladie, etc. Donc, on voit que passer de l'individuel au collectif est un peu compliqué. Et le rôle du médecin, justement, c'est de faire tomber un peu les barrières entre les cloisons administratives ou disciplinaires. Je crois que Nicolas Lévy fait ça très bien. Merci. Oui, tu peux compléter ? Merci Dominique. Non, mais c'est vrai que je ne peux pas être contradictoire de Dominique et vous l'avez sûrement senti dans ses propos et dans les miens. On est en phase et je suis totalement en phase avec ce que vient de dire Dominique Maraninki. Je rajouterai juste, je compléterai juste sur le fait que la responsabilité du médecin, elle est quand même assez différente de la responsabilité du chercheur. Il me semble que que ce soit dans une crise sanitaire ou en dehors d'une crise sanitaire, le médecin doit quand même rester celui qui prend ses responsabilités. Et en ça, il est lié par son serment. Et ça me paraît quand même essentiel. Si on a prêté serment un jour, c'est que malgré tout, ce serment, on se doit de l'honorer et de l'honorer par sa prise de responsabilité. Et ce qui me gêne dans cette période de crise sanitaire, et je ne sais pas comment le traiter, hein, je n'ai pas de réponse à ça, mais malgré tout, je suis gêné par le fait qu'on a l'impression aujourd'hui d'avoir dans la population des médecins deux catégories de médecins. La catégorie des médecins, on va dire, hospitaliers qui sont confrontés aux malades Covid et aux malades qui nécessitent des soins urgents ou non urgents dans le cadre de maladies chroniques à l'hôpital, et une grande partie de l'activité médicale en France en particulier, mais je sais que c'est pareil dans beaucoup d'autres pays européens et dans le monde, qui voient leur activité finalement réduite, voire arrêtée, comme s'ils n'étaient pas en possibilité, en capacité de prendre leurs propres responsabilités. Ça, c'est quelque chose qui me peine, qui me déçoit, et les mots sont faibles. Je suis à la fois surpris, je suis peiné par cette situation-là qui fait que beaucoup de nos confrères qui soient de professionnels de santé d'ailleurs, hein, parce que les médecins c'est une chose, il n'y a pas que les médecins qui ont prêté serment. Et je trouve que ce n'est pas bien qu'on les ait laissés malgré tout de côté dans une crise sanitaire où justement on a besoin de tout le monde. Comme on a besoin que les laboratoires qui sont capables de faire des tests ouvrent leurs portes et qu'on les autorise à ouvrir leurs portes pour réaliser des tests. On sait aujourd'hui à quel point le dépistage massif en population aurait été indispensable au tout début de la crise. À mon avis, il n'a pas été possible en France comme dans d'autres pays aussi. Mais je trouve qu'aujourd'hui, on ne serait pas à la hauteur si on ne laissait pratiquer des tests que dans les milieux hospitaliers, alors qu'énormément de laboratoires sont capables de le faire, comme énormément de médecins sont capables de voir des malades, de prendre une décision sur une prise en charge et sur un traitement. Et ça, c'est quelque chose qui me dérange profondément. On va peut-être voir un petit peu parmi les gens qui assistent à ce débat, si certains ont des questions qu'ils souhaitent poser, soit directement oralement, soit par écrit, je m'en ferai le porte-parole.
Donc, je vous rappelle que vous avez un outil de conversation dans le système de visio qui vous permet de rédiger vos questions. Et qu'il faut rallumer les micros si jamais vous posez une question orale. Et rallumer le micro si vous souhaitez la poser oralement, absolument. Oui, bonjour Yves Gerlot. Bonjour à tous et merci pour cette conférence, c'est très intéressant. Je rebondis là sur ce qu'évoquait le professeur Marinaki et sur Nicolas. Excuse-moi, bonjour Nicolas. Je suis très surpris moi par l'opposition qu'on constate quotidiennement entre des médecins infectiologues, dont certainement l'expertise, la compétence est indiscutable. Et puis, bon, on n'a pas évoqué son nom, hein, mais professeur Raoul, à l'IHU de Marseille, bon, ils ont tous fait le même serment, ils ont tous les mêmes engagements vis-à-vis des patients. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi il y a cette opposition. Alors, bien sûr, je comprends qu'il y a des aspects méthodologiques hein, sur lesquels il y a débat, mais dans la mesure où il y aurait une véritable chance thérapeutique avec ce que propose le professeur Raoult. Pourquoi est-ce que d'autres médecins n'ont pas envie de se jeter là-dessus? Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, c'est est-ce que finalement, dans la manière dont... à supposer que le traitement proposé par l'IHU de Marseille soit l'IHU de professeur Raoult soit un traitement effectivement qui a une certaine efficacité, qu'aurait-il dû faire peut-être pour que ça soit plus acceptable par ses confrères? Parce que j'ai l'impression qu'effectivement, il y a probablement une opposition de style, mais que la manière dont il a peut-être annoncé le résultat de ses essais a fait qu'il y a eu un rejet et que peut-être, on n'est plus capable de saisir des chances thérapeutiques pour les patients qui souffrent de cette infection. Je commence et tu rebondiras. Oui, bien sûr. Parce que c'est effectivement une des grandes questions. Hein. Pourquoi ? Pourquoi il y a cette rupture apparente entre l'infectiologie française et Didier Raoult ? Je ne parlerai pas des problèmes de personnalité de Didier qu'on peut évoquer, et son caractère un peu provocateur, dont il ne se cache pas. Mais d'abord, Didier Raoult est un grand scientifique et un très bon médecin, il est un peu en avance. Et quand on est en avance, on est tout seul. Moi, j'ai un autre ami qui s'appelle Willy Rosenbaum, qui a eu quand même un morceau de Nobel pour la découverte du sida. Il était tout seul et tout le monde riait de lui finalement. Et les grands milieux de l'infectiologie ne le considéraient pas énormément, d'autant qu'il était néphrologue, il n'avait pas un diplôme d'infectiologie. Donc, méfions-nous quand même. Souvent les gens qui sont à l'avant-garde sur des sujets pointus comme ça sont assez seuls. La deuxième chose, c'est que Raoult a, pour moi c'est une grande leçon et une leçon positive, a un énorme outil. Il a un IHU dans lequel travaillent plus de 600 personnes. Moi j'ai dirigé un centre de lutte contre le cancer où il y avait 1000 personnes. Nicolas Lévy a l'ambition de faire un grand institut de génétique et évidemment cet outil considérable s'est entièrement mobilisé sur le Covid. Entièrement mobilisé sur le Covid. Et c'est le seul au monde qui ait des données sur 2500 malades. Alors, ça ne durera pas, mais il est très, très en avance parce qu'il a cet engagement lui-même et toutes ses équipes pluridisciplinaires sur le sujet. Et ça crée une distorsion par rapport à, je dirais, être chef de service d'infectiologie dans un CHU et membre de la société française d'infectiologie, hein, même si on est très très bien. Donc, est-ce que le traitement qui est fait à l'IHU, ben, il a l'avantage d'exister? Alors, la manière dont l'a présenté Didier est évidemment provocante, mais dans ce traitement, il y a deux choses qu'il faudrait rappeler. C'est un traitement qui est rationnel et qui est acceptable pour l'ensemble de la société à l'échelle mondiale. Et ça, c'est pas rien quand même. C'est-à-dire que si jamais ça marche, c'est pas totalement prouvé dans tous les cas, mais dans les cas qu'a présenté, c'est applicable sur l'ensemble de la planète. Et donc, ça, c'est, je pense pas que Didier Raoult ait la prétention que ce soit le seul traitement, mais s'il met au point un traitement qui est applicable
à l'ensemble de la planète, ça peut changer considérablement la donne. Voilà, et en tous les cas, il n'y a pas de conflit d'intérêt non plus, puisque ces traitements ne valent rien en valeur financière, ce qui est déjà pas si mal. Voilà, alors je ne commenterai pas pourquoi Didier Raoult, beaucoup plus pourquoi Didier Raoult agace ses collègues. Nicolas Lévy, sur sa méthode, qu'est-ce que tu dirais ? Ah ben, sa méthode, elle lui est propre et je ne connais personne qui est la même que lui. C'est oui, ce qui fait aussi son originalité. Mais effectivement, moi, je peux comprendre hein, qu'on trouve que ce soit un personnage désagréable, qui soit parfois arrogant. Je le comprends, je l'entends. Mais la question n'est pas de savoir ce que l'on pense de Didier Raoult en tant que personne, en l'occurrence. Autant ouais. Je trouve que c'est bien d'avoir des grands humanistes, autant le sujet d'aujourd'hui est de savoir si le traitement qu'il a mis au point, et dont il a l'honnêteté de dire d'ailleurs que les Chinois ont été les premiers à le mettre en place hein, dans le cadre des essais thérapeutiques, la question est de savoir si c'est efficace ou pas. Alors pour compléter peut-être, il y a une chose qui me surprend énormément, c'est le fait que parmi tous les détracteurs que l'on entend, et on les entend beaucoup, de la méthode et de l'approche et du traitement mis au point par Didier Raoult et son équipe, puisque évidemment il n'est pas tout seul, Didier Raoult, hein, il a une très grosse équipe avec lui, il y a des choses qu'on oublie de dire. C'est-à-dire que l'hydroxychloroquine, c'est une des deux molécules qu'il préconise. Il y a une deuxième molécule dont il dit qu'elle est absolument indispensable et grâce à laquelle il a ses bons résultats. C'est une bithérapie en réalité. Hein. C'est l'hydroxychloroquine plus l'azithromycine. Et aujourd'hui, mener des essais comparatifs à plusieurs bras en omettant l'azithromycine, ça ne me paraît pas intellectuellement très honnête. Ouais. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose qu'il dit et qu'on omet de dire aussi, c'est le fait que, certes, si 80% des malades s'en tirent avec ou sans traitement, c'est une chose, c'est-à-dire ceux qui prennent du doliprane et qui restent chez eux ne vont pas mourir à 80%, ceux qui prennent de l'hydroxychloroquine plus de l'azithromycine à 80% ne vont pas mourir non plus. C'est vrai, mais il dit aussi que la différence, c'est sur les 20% et c'est pour empêcher de s'aggraver les 20% de malades qui vont s'aggraver, dont certains vont finir sous oxygène en réanimation et finalement vont mourir. Et ça n'est pratiquement jamais ou extrêmement rarement repris dans la littérature non scientifique et sur les plateaux de télévision actuellement. Moi, je ne l'entends en tout cas que très peu. Alors, il me semble qu'il y a une forme de malhonnêteté intellectuelle. En tout cas, je ne sais pas exactement d'où elle vient. Et j'ai oublié de dire effectivement aussi qu'en faisant l'approche qu'il fait, l'objectif, c'est aussi de réduire le temps de contamination, la durée pendant laquelle un individu va être contagieux. Et donc, ce sont des critères de jugement qu'il a, par contre, parfaitement validés dans ses études. Et là, pour moi, il n'y a pas débat. Et il n'y avait pas besoin d'un bras témoin contre placebo pour le démontrer. Alors après, ben pourquoi il a autant de détracteurs ? Le personnage, effectivement, il y est pour quelque chose. Le fait qu'il est un grand IHU, un outil majeur qu'il a mis en branle totalement pour faire en sorte de tester finalement une bonne partie de la population marseillaise, qui fait qu'à Marseille, on est la population la plus dépistée au monde aujourd'hui, comparativement à la taille de la population, et qu'il a traité la majorité des malades qui lui étaient confiés, puisque aujourd'hui, au chiffre d'aujourd'hui, il fait état à Marseille de 2700 malades traités avec 10 décès. 2700 malades traités dans les conditions dans lesquelles il l'a annoncé, c'est-à-dire sur les formes précoces et les formes plutôt modérées de la maladie, avec la combinaison, la bithérapie hydroxychloroquine plus azithromycine, peu de décès, mais aussi très peu d'effets secondaires, parce que c'est un médecin, et qu'il s'entoure aussi de médecins et de cardiologues notamment, qui vont dépister les personnes qui sont à risque de développer éventuellement des effets secondaires liés à ces molécules, qui sont des molécules qui, malgré tout, en ont relativement peu lorsqu'elles sont évidemment données dans des bonnes conditions. Donc, je pense effectivement qu'il y a... Excusez-moi, le mot peut paraître banal parce que dans tout ça, le mot n'est pas à la hauteur et je trouve que beaucoup de gens ne sont pas à la hauteur dans cette crise. Il me semble qu'il y a beaucoup de jalousie dans tout ça. Bien sûr. Non, mais
Didier Raoult a découvert et agi. Parce qu'à la différence des autres, il agit. Alors quand on agit, parfois on se trompe, mais la vocation de la médecine, c'est l'action quand même. C'est de l'action directe qui est faite, comme on vient de le dire, dans un grand groupe, avec énormément de puissance. Et moi, la seule chose que je dirais aux autres infectiologues, c'est agissez, présentez des données de 2600 patients. Le progrès médical, ça se fait comme ça. C'est ce qui est en train de se faire, ce qui doit se faire, tant mieux, hein. Mais il y a eu une crispation. Mais moi, je pense que c'est toujours les découvreurs, les audacieux. Alors, l'audace de Didier, le problème, c'est qu'il mène plusieurs combats en même temps. Il lutte contre le virus, il lutte contre les méthodologies, c'est-à-dire... Et donc, il s'est fait pas mal d'ennemis. Dans ce qui vient d'être dit, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'il a fait un choix médical qui est essentiel. Il a testé des molécules chez des gens avant la situation terminale. Et ça, ça change tout. En tant que cancérologue, quand on nous a imposé de donner des molécules anticancéreuses à des gens en situation terminale, on a refusé des molécules anticancéreuses très efficaces parce qu'effectivement, quand quelqu'un est en train de mourir, que ce soit de cancer avec 70 mutations dramatiques, ou de maladies infectieuses parce que les poumons sont détruits, il n'y a plus rien qui marche. Et donc, la vraie éthique, c'est de le faire au début de la maladie pour modifier l'histoire naturelle de la maladie. Et ça, effectivement, ça suppose de la médecine, comme ça a été demandé tout à l'heure, qu'on suit les malades avec beaucoup d'attention et de respect. Et c'est ce qu'a fait Didier Raoult. Et je pense que dans ses grandes découvertes, dans sa grande audace thérapeutique, celle de traiter les malades très tôt est remarquable. Ça va d'un très grand infectiologue. C'est comme si on refusait de traiter les primo-infections tuberculeuses sous prétexte qu'elles ne finissent pas toujours par une tuberculose mortelle. Ma foi. C'est un exemple assez frappant. Mais, on va peut-être essayer de voir s'il y a d'autres questions. Oui. Sur d'autres sujets. J'ai vu des micros s'agiter. Je ne sais pas si les gens ont des questions à poser. Excusez-nous, on est trop bavards. Ah, plus personne ne veut s'exprimer. Bonjour, bonsoir. J'aurais peut-être une question. Je suis Stanislas Chuklinski et je souhaiterais savoir si, parce que je n'ai pas trouvé dans la littérature, dans ce qu'on trouve dans la presse grand public, on va dire, peut-être que la presse plus professionnelle, plus médicale est plus documentée là-dessus. Le protocole du professeur Raoult, il existe en France, il existe à Marseille particulièrement. Et qu'en est-il des autres pays à l'échelle de la planète, puisqu'on évoquait la planète tout à l'heure? Est-ce que ça fait des émules? La réponse est oui. La réponse est oui, en tous les cas pour l'hydroxychloroquine, qui est le médicament le plus utilisé pour l'instant dans le monde pour le traitement de cette pathologie, mais à des stades divers, dans des contextes très divers, hein, ça va du généraliste aux équipes de réanimation, mais aussi de l'association, mais aussi de l'azithromycine toute seule. Donc effectivement, tout le monde tourne autour de ces deux molécules qui, outre leur efficacité, ont aussi l'avantage d'être faciles d'accès et dont on peut disposer très rapidement. Alors, je ne peux pas faire la liste des pays, mais ça est autorisé dans de très grands pays, comme la Food and Drug Administration, quand même, pour les États-Unis, le Canada, le Brésil, l'Uruguay, etc. etc. Voilà, ça ne veut pas dire que tout le monde soit convaincu que ça guérit cette maladie, mais pour l'instant, il y a un rapport bénéfice-risque le plus acceptable par rapport à ce qui est proposé. Il y a d'autres molécules, hein, comme la molécule de Gilead, le remdesivir, qui vient de faire l'objet d'un article dans le New England, entre parenthèses, New England Journal of Medicine, c'est la grande revue médicale, entre parenthèses, dans une étude non randomisée, réalisée dans une dizaine d'établissements dans le monde. Voilà, bon, ça semble donner quelques bénéfices, et c'est bien, chez des malades qui sont en réanimation, en situation terminale. Donc, en fait, on ne sait pas. Pour l'instant, c'est avec la chloroquine et l'érythromycine et l'azithromycine qui a le plus de patients traités. Mais peut-être que l'érythromycine marcherait bien aussi. Hein. Oui, c'est une cousine. Hein. Bien, je vous remercie.
Merci. On attend une étude assez cruciale qui aura peut-être lieu en France, qui est de savoir si toutes les personnes qui étaient sous plaquenil depuis 2 ans, c'est-à-dire l'hydroxychloroquine, pour le traitement d'une maladie rhumatismale, la polyarthrite ou auto-immune comme le lupus érythémateux disséminé, est-ce que ces personnes-là vont être protégées du Covid? On devrait avoir les réponses à cette question assez vite grâce au fichier de l'assurance maladie. Il y a une étude qui est en cours là-dessus, il y a d'autres études qui sont en cours dans le monde, parce qu'un effet protecteur, ça serait encore autre chose. Dernier point aussi par rapport aux controverses sur la soi-disant toxicité de l'hydroxychloroquine. Je rappelle quand même que dans la polyarthrite rhumatoïde, on en prend en permanence et pendant des années. Là, il s'agit de 7 jours de traitement dans les protocoles de Dierhout. Donc, c'est vrai, il y a eu une espèce d'acharnement bon, qu'il a peut-être cherché par sa personnalité très glamour et cow-boy en même temps. Merci. On va prendre une autre question. S'il y en a. Oui, Damien Garraud, moi j'ai une question au-delà des polémiques sur ce qui marche pas, est-ce que les protocoles respectent un niveau de précision scientifique suffisant ou pas. J'ai une question surtout sur le rôle de l'État dans tout ça. Est-ce que c'est vraiment le rôle du ministre de la Santé de l'État de dire aux médecins ce qu'ils doivent administrer ou pas quand on parle de molécules qui sont connues et non pas qui ont été inventées hier matin? Voilà, je vais vous parler à titre personnel et en tant que directeur de l'Agence du médicament. Je trouve d'ailleurs que l'Agence du médicament est d'un silence assourdissant sur ce sujet, puisqu'il s'agit d'un médicament. Ce n'est pas au ministre à dire quels sont les médicaments qu'il faut prendre ou ne pas prendre. D'accord ? Il a pour ça nommé un directeur d'agence et des grandes agences qui doivent de temps en temps faire leur appel. C'est un des drames, ça ne tient pas au ministre, ça tient aussi à la demande française qui veut que ce soit le président de la République ou le ministre de la Santé qui dise ce qu'on doit faire. C'est une décision qui est purement médicale et cet arbitrage doit être médical. Et la plus haute autorité sur le médicament, c'est le directeur de l'Agence du médicament. Sur la santé, c'est le président de la haute autorité de santé et je vois qu'on ne leur donne pas très souvent la parole, notamment dans les médias, pour suivre cette évolution du problème de santé et de la relation santé et médicaments. Et les agences sont bien sûr au service du ministre, mais elles ont été créées pour être indépendantes. Et c'est dur hein, de maintenir l'indépendance, mais ça reste indispensable. Il en est de même de l'Institut de la Santé et de la Recherche Médicale, que nous aimons beaucoup. Et c'est peut-être à lui de dire quelle recherche il faut faire plutôt que d'attendre et de voir. Et si je peux me permettre de compléter par deux remarques, deux réflexions. La première, c'est que un médecin, quel qu'il soit, ne demanderait jamais l'avis du ministre ou d'une agence même pour prescrire et de l'hydroxychloroquine et de l'azithromycine en combinaison dans n'importe quelle autre situation. Il y a quand même un truc qui me paraît un petit peu fou. Et la deuxième chose, et on dit qu'on ne critique pas ces instances, mais malgré tout, tu parlais du silence de l'ANSM. Moi, je voudrais parler peut-être pas du silence, mais enfin de la vacuité des mots de notre Conseil national de l'Ordre des médecins, qui ne se positionne absolument pas, qui se positionne parfois avec un paragraphe un peu guerrier, du genre « les médecins sont responsables, les médecins ont prêté serment, c'est à eux de prendre leurs responsabilités », et dans le paragraphe d'après, disons « nous attendons les recommandations du ministre de la Santé ». Tout ça me paraît un petit peu fou, quoi. C'est complètement fou, oui. Enfin, ce qui est sûr quand même, ayant vécu un certain nombre d'autres crises sanitaires, du médicament et autres, c'est que quand il y a une crise, les gens s'adressent rarement au ministre quand même. Ils vont plutôt voir leur médecin pour savoir « qu'est-ce que je fais là ?» Et je pense que quand on a un problème en biologie moléculaire aussi, ce n'est pas au ministre de la Santé de parler des difficultés à interpréter une PCR. Il y a quand même des gens qui sont payés pour et qui doivent savoir, y compris dans les applications médicales. Et on en a sur l'écran. Bien. Autre question? Il est 19h, parfait.
On avait effectivement prévu environ une heure, mais si on est aussi d'accord sur le fait de dépasser un petit peu si d'autres personnes souhaitent alimenter la discussion. Allô ? Oui, bonjour. Oui, bonjour, je m'appelle Alberini. Alors, je suis un peu désemparé parce que moi, je ne suis pas médecin, contrairement à tous ceux qui ont pris la parole avant moi. Je suis avocat de mon métier. J'ai deux questions assez simples à vous poser. La question qui se pose pour moi, c'est la défense de l'intuition scientifique ou de l'intuition médicale. Tous les chercheurs ont une intuition, mais là, nous sommes dans l'urgence. Personne ne conteste l'intuition du chirurgien qui ouvre une boîte crânienne et qui va trouver dans l'urgence on ne sait quoi à l'intérieur. Dans l'urgence, tous les médecins ont droit à la même intuition. Didier Raoult, visiblement, a eu une intuition qui semble porter ses fruits. La question que je me pose, c'est, en dehors de Didier Raoult, quelles sont les molécules qui sont données par les autres médecins qu'on voit sur les plateaux télévision à leurs patients? On sait ce que Didier Raoult donne et à quel moment de la maladie il le donne, si possible au début. Lui, il le dit, mais les autres ne disent pas comment il soigne. Et quand on a une intuition, l'intuition peut être constructive, elle peut être bénéfique, il peut aussi y avoir des échecs. Le seul devoir que l'on a, c'est de publier les échecs et de publier les réussites. Et moi, je ne sais pas à l'heure actuelle ce qui est donné dans les autres centres qui s'occupent de ces malades. Voilà. J'ai ma question, je suis désolé, je ne la pose pas en termes scientifiques, je ne connais pas les mots comme vous. Très bien. Mais je ne sais pas si je peux avoir une réponse parce qu'on ne les entend jamais parler de ce qu'ils donnent pour traiter leurs patients. Alors moi, je vais tenter. Hein, Merci. On ne sait pas du tout ce qui se fait effectivement par... Vous savez, dans la médecine, il y a de l'action et des débats. Là, finalement, ce qu'on entend, ce sont des débatteurs, pas vraiment des gens qui agissent. Dans ceux qui agissent, il y a ceux qui rentrent dans des essais cliniques. Il y a un grand essai clinique qui s'appelle Discovery, dont l'INSERM est promoteur, mais il va y avoir 800 malades en France, donc ce n'est quand même pas l'ensemble de la prise en charge du Covid. Et pour les autres, on ne sait pas. On sait qu'il y a beaucoup de chloroquine qui est donnée, hein, puisqu'on connaît les chiffres de consommation. Il n'y a pas que Raoult qui donne de la chloroquine, ça c'est sûr, puisque la consommation est colossale et que Sanofi a été obligé d'augmenter sa production, au moins pour assurer des stocks à l'échelle mondiale. Et ce qui est très regrettable, c'est l'absence de transparence justement dans ce que font les autres, et en particulier ceux qui ont des responsabilités académiques. Voilà. Mais à leur décharge, ils ne savent pas, ils ne veulent pas, ils ont peut-être peur de vous, des avocats, de l'ordre des avocats, en se disant « si je m'engage trop sur quelque chose, ça peut m'occasionner des ennuis ». Donc, ils ont une pratique probablement très casuistique et qui inclut ce genre de molécules, puisqu'il n'y en a pas 50 tonnes de molécules, il y en a 4. Et ceux qui ne donnent pas effectivement aujourd'hui la combinaison ou l'hydroxychloroquine défendent le fait que 80% des malades vont guérir sans traitement, avec des traitements symptomatiques, et que les autres, ils seront pris en charge dans des unités spécialisées et jusqu'à éventuellement une prise en charge en réanimation. Sans parler de ceux qui apparemment donnent aussi d'autres types de molécules sans le dire, et des antibiotiques en particulier. Merci beaucoup. Merci. Moi, je voulais peut-être vous réinterroger tous les deux sur un des thèmes qu'on n'a pas tellement évoqué, qui était la prise en charge des autres maladies pendant cette période de crise sanitaire. Est-ce que vous pensez qu'il y a un impact sur soit la prise en charge des maladies chroniques, soit celle des, comme je disais, les AVC ou les infarctus? Bah, écoutez, il y en a probablement un, d'après les chiffres, hein, c'est-à-dire qu'il y a un recours aux urgences en dehors du Covid qui a énormément diminué. Alors, est-ce que c'est une crainte? C'est certainement pas une amélioration de la santé collective.
mais peut-être une crainte d'aller aux urgences, pour la crainte d'être hospitalisé, d'être contaminé. En matière de cancérologie, qui est le sujet que je suis à peu près, les centres spécialisés n'ont pas arrêté leur activité, mais ils l'ont diminué. Et c'est vrai que la notion, dans le cadre des plans blancs, hein, que fait l'État pour les hôpitaux, c'est de dire on arrête les activités non urgentes. Et donc la définition de l'urgence n'est pas si simple. Hein. Bon, voilà, être un peu gêné du cœur ou faire un infarctus avec chute de tension, c'est pas tout à fait pareil. Mais dans les deux cas, ça peut être une pré-urgence. C'est pareil pour. Donc il faudra pas que ça dure, parce que parmi ces personnes-là, il y a beaucoup de gens qui sont vulnérables. Et le rôle des médecins et des hôpitaux, c'est de s'occuper de tous les malades. Voilà. Mais on sait qu'en période de contagion, on a affaire à une crise sanitaire un peu particulière. Il y a un risque de contagion. Donc, il faut qu'on pratique tout en isolant et en séparant les personnes. Voilà. Et c'est dur dans un pays démocratique, hein, disons-le. C'est dur en général. Et l'application dans un pays démocratique, c'est très difficile. Le beau côté quand même de notre pays, c'est qu'il y a eu beaucoup de solidarité. Quand même, les gens ont accepté de fermer leur service de diabétologie, par exemple, pour en faire une unité Covid. Et donc, notre pays, jusqu'à présent, a bien répondu sur le plan des soins d'extrême urgence. Mais faisons attention, effectivement, à toutes les maladies chroniques. Rappelons-leur qu'on est aussi à leur service et surtout qu'ils n'abandonnent pas leurs besoins de soins dans ces périodes-là. Mais je n'ai pas de chiffres, mais les chiffres qu'on a sont intuitifs par la diminution du recours aux urgences, qui est un critère comme un autre. Oui. Apparemment, pour vous donner l'exemple de ce qui s'est passé à la Timone, puisque je pense que c'est quand même un hôpital de suffisamment grande taille pour être un modèle, pour être fiable, on nous a demandé de réduire notre activité au maximum, évidemment, aux soins urgents et à la prise en charge des patients les plus urgents. Alors bon, pour ce qui est de mon service, évidemment, ça concerne en particulier l'activité qui est liée aux femmes enceintes, que ce soit sur le plan clinique, évidemment, et sur le plan de la génétique. En faisant ça, on nous a demandé, évidemment, enfin l'idée en tout cas, était, dans le cas d'une maladie contagieuse, d'essayer de mettre en alternance ou en télétravail la moitié des personnes qui travaillent ensemble habituellement pour qu'ils puissent être en confinement une semaine sur deux et pouvoir éventuellement remplacer des personnes qui tomberaient malades parce que, comme tu l'as dit, Dominique, on est dans le cadre d'une maladie extrêmement contagieuse et il y a effectivement des gens, des soignants, des personnels dans des services de soins non urgents qui ont été positifs, qui se sont infectés et qui ont été obligés de rester chez eux et d'être remplacés. La deuxième chose, moi, qui m'a surpris et qui, encore une fois, je ne dis pas m'a peiné, mais oui, m'a terriblement surpris et je ne pensais pas voir ça avant la fin de ma carrière, c'est de recevoir des injonctions disant qu'il fallait déprogrammer tous les soins non urgents. Et vraiment, hein, on a reçu ça, ce sont des écrits de nos administrations disant qu'il faut déprogrammer les soins non urgents. Moi, je l'ai reçu, évidemment, alors que j'ai peu de soins urgents en général, mais d'autres de mes confrères l'ont reçu, que ce soit des chirurgiens ou des médecins, pour libérer un maximum de lits. Et donc, il y a eu effectivement des pertes de chance. Et il y a eu des pertes de chance, y compris en oncologie. Je ne l'ai jamais vu ici à la Timone, mais je sais qu'on a rapatrié à la Timone parfois ou dans les hôpitaux de Marseille des patients pour qu'ils y soient opérés pour des problématiques de cancer, alors que d'autres hôpitaux refusaient de les opérer, disant le pronostic est tellement mauvais que de toute façon, en période de crise, on ne va pas les opérer. Et ça, ça a eu lieu. Il y a des exemples de ça. Et ça, c'est vraiment dramatique. Alors, il y a une maladie chronique qu'on n'a pas évoquée. Vous avez raison de nous solliciter là-dessus, qui sont les maladies mentales. Le délaissement de la psychiatrie est terrible. Les hôpitaux psychiatriques se sont parfois vidés ou sont parfois confinés. Le confinement, c'est extrêmement dangereux et les personnes dans la nature n'ont plus de contact ni d'interface. Enfin, pas toujours, hein, mais il y a de nombreux exemples.
avec les hôpitaux de jour ou autres qui sont fermés, qu'il sera difficile de transformer en unité Covid. Hein, de toute façon, tout ça est quand même un peu ridicule. La médecine doit être aussi uniciste. Et là, on fait un peu de médecine de guerre. Je voudrais rappeler quand même qu'il y a des maladies que la société juge comme non urgentes, mais aussi non utiles, style un cancer avancé ou une maladie mentale, et qu'il est de notre devoir de médecin de résister, quelle que soit l'injonction de l'administration. Voilà, qui n'est pas supposé bien comprendre que toutes les vies méritent d'être vécues et tous les soins méritent d'être donnés. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions ? Non, je crois que personne ne se prononce. Bon, bah écoutez, si vous êtes d'accord, je propose que nous mettions fin à ce débat. Je voudrais, en mon nom personnel, déjà vous remercier sincèrement de l'éclairage que vous avez donné sur ces fameux essais cliniques, M. Marininki, avec toujours la vivacité qu'on vous connaît. Enfin, moi, je vous ai uniquement entendu. Je n'ai jamais eu la chance d'échanger en direct avec vous, mais c'est toujours beaucoup de bonheur. Et puis, merci à Nicolas Lévy pour le débat qui n'était pas du tout contradictoire, on l'aura compris, mais qui l'a enrichi à chaque fois. Voilà, merci à tous ceux qui ont participé. Je rappelle que vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de nous solliciter pour avoir des éléments biographiques sur certains des points que nous n'aurions pas abordés, mais on sera très heureux de vous fournir des éléments d'information supplémentaires. Et puis, j'espère peut-être à bientôt, puisqu'on espère que cette web émission soit la première d'une série qui permette, comme je disais, de mieux décrypter les enjeux de santé. Je ne sais pas si Nicolas et Dominique Marin peuvent rajouter quelques mots, sûrement, pour conclure. Moi, je voudrais... Dominique, je t'en prie. Oui, moi je voudrais d'abord remercier les promoteurs et les réalisateurs et les acteurs de cette webinaire parce que moi c'est la première fois que je participe à un séminaire de cette nature et c'est très touchant de voir qu'on peut partager collectivement comme ça. Je vous remercie spécifiquement Madame Colero parce que vous avez beaucoup de hauteur et de gentillesse dans ce débat et c'est vrai qu'avec Nicolas Lévy, il ne faut pas nous en vouloir, hein, on a de la complicité. Voilà, notre conflit d'intérêts, il est humaniste intellectuel, mais bon, il y a pire, ça ne va pas plus loin, hein, rassurez-vous. On pardonnera. Et merci à tous ceux qui ont pu nous supporter. J'espère qu'on leur a apporté un angle de vue qui les aidera à mieux réfléchir sur le sujet. Merci. Nicolas, merci. Oui, rapidement. Merci beaucoup à tous. Merci infiniment, Dominique. C'était important, je pense, pour tout le monde, pour moi aussi, d'avoir ta présence, d'avoir tes mots, d'avoir ton analyse sur ces sujets. Tu seras évidemment invité à toutes les autres web émissions qu'on va faire. Il va y en avoir une série qu'on va prolonger jusqu'à la fin du confinement et pourquoi pas même au-delà. Hein. Il n'y a aucune raison d'ailleurs qu'on arrête tout ça après. Donc, on fera régulièrement des web-séries, mais des web-émissions, mais dans le contexte de la crise, c'était le premier sujet, effectivement, parce que c'est un sujet assez crucial, assez critique, qui fait polémique aussi souvent. Il y en aura d'autres, des sujets sur lesquels on va échanger. Il y a des sujets qui vont concerner directement l'éthique, mais pas seulement l'éthique des essais thérapeutiques, l'éthique, y compris le consentement dans un cadre d'essais thérapeutiques, mais le consentement en général, les lois de bioéthique. Il y aura une autre émission qui sera peut-être consacrée, enfin, j'aimerais bien en tout cas qu'on arrive à la monter, sur l'importance de la culture, mais pas seulement de la culture médicale et scientifique, de la culture en général, à côté de l'importance donnée à la médecine et à la recherche en sciences de la vie et de la santé. Il y en aura une qui sera sur repenser l'hôpital. Alors, en disant ça, je me doute que certains d'entre vous imaginent déjà qui sera l'intervenant de cette web émission, mais je pense qu'il est important dès aujourd'hui de commencer à se positionner sur comment on va devoir repenser l'hôpital à l'issue d'une crise sanitaire aussi majeure que celle-là, et où force est de constater que
on n'était pas forcément hyper bien préparé. Voilà, donc il y aura d'autres sujets. N'hésitez pas aussi à nous envoyer des propositions de sujets. Hein. On sera très preneurs et on les prendra vraiment avec grand plaisir. Et on essaiera de trouver des intervenants et des grands témoins aussi passionnants que toi, Dominique. Donc, merci à vous tous. Merci à Laurence. Merci à mon équipe Gyptis. Et merci à Stan également, évidemment, d'avoir contribué aux invitations et d'avoir contribué au montage de cette web émission. Merci à vous tous. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.